Salut tout le monde! Bienvenue pour l'épisode final de ce petit retour de ce qu'on a fait au Val d'Argent. Là, c'est donc l'épisode 5, Buggy et Truggy. On a un Buggy vert orange et un Truggy orange. C'est presque pas fait exprès. Hyperstar, dans lequel vous avez pu voir la malédiction est levée. On l'a monté avec le train avant du VS2. Triangle supérieur, donc ici percé à 4, parce qu'on en c'est du 3. Des porte-fusées qui sont plus légers. On a toujours le petit combo 4S dedans, parce que l'engin reste léger. Ça lui allait super bien. J'avais amené ces pneus-ci avec donc les Velociraptor ou Raptor tout court, je dis pas de bêtises, SP Racing, Velociraptor, qui se sont avérés être excellents sur l'herbe. Mais ce coup-ci, il y avait moins d'herbe, quasiment plus, même surtout le deuxième jour. Ça allait quand même. Glissant en virage, ce qui n'est pas forcément des avantages puisque ça évitait de peiner le véhicule dans les entrées en virage rapide où il y avait plein d'ornières. On arrivait un peu en balancier en travers. Donc du coup, il slide bien de côté. Tu peux mettre gaz, à bas régime aussi. En fait, c'est un peu, ça réagit un peu comme des midi paddles. J'aurais dû m'arrêter et monter ceux là-dessus, mais je voulais finir le run comme ça. Je me suis fait plaisir. Je pensais avoir le temps de faire un deuxième pack avec les autres roues. Ça ne m'a pas suffi. En tout cas, on va l'aguer. Il a tenu bon. On a toujours un petit, tout petit pour moi, un souci d'équilibre avec l'engin. Bon, j'avais mis une lipo. Je vais te dire ça exactement. On va vite peser la lipo. Voir ce que ça dit. 540 grammes. Prochain coup, donc, on mettra une lipo. Gensei Spashing 66 de 410 grammes du côté gauche. Parce que, si vous regardez bien la vidéo, vous verrez, il est toujours un petit peu en travers du côté gauche. Poids de l'engin vide, 3,2 kg. Ça l'emmène donc à 3,6 kg équipé avec le petit SkyRC 6 pôles dedans. Qui m'étonne, parce qu'il faisait chaud, on l'a pas épargné, ben, il n'a pas surchauffé. Il n'est pas équipé d'un ventilo ni rien. Ça s'est très bien passé. Et là, Briseur, il a fait la même chose sur ma tête à l'instant quand il m'a vu lâcher la carreau. Qu'est-ce que tu fais avec cette carreau? Arrête la tort. Pour les suspects, on était beaucoup mieux puisque j'ai assoupli, là on était bien plus à l'aise. On va donc retourner évidemment au Val d'Argent avec cet engin et d'autres pneus. En parlant de pneus, nous avions ceux-là sur le Tankovic dans la boue. Un pur régal. Vous avez vu ces pneus montés sur le Hyperstar aussi dans l'herbe, catastrophe. Beaucoup trop de grippe latérale à cause de ces crampons-là. Hein, mise au point. Là. Tu vois, ça, ça accroche trop. Par contre, dans la boue, mais c'était génial. À voir, essayer maintenant que le circuit est poussiéreux. On va les amener, bien sûr, et on verra la différence. Sur le VS2, donc mieux équilibré en vol que celui-là. Je pense que ça va tout de suite se ressentir dans les vidéos. Là, on a un Castle Monster X 1800 kV 3S. On va faire ce que beaucoup d'entre vous ont fait, c'est le petit trou derrière, mettre un clips derrière, on l'a vu sur certains chocs. La carreau fout le camp. De l'arrière, c'est sûr, ça, en compète, c'est pas pratique du tout si ça t'arrive. Hein. Ces pneus-là, les Starpin SP avec les mousses tendres, précises. Ce que j'ai pu constater, ici aussi j'ai des mousses un tout petit peu plus fermes. Et je me demande si c'est pas ça qui fout un peu le bordel aussi. Les mousses souples sont bien plus agréables pour moi à conduire en TT que les mousses fermes. Comme dit, ça ira mieux sur un terrain en pelouse comme ça. Mais là, franchement, c'est géant. Je suis super content avec ce montage de pneus et ces mousses. Top classe. Le petit 1800 kV en 40-68 ou 42-68. On a mis en 6S. On a un pignon de, je crois, 16 dessus, 17. Je ne suis pas allé trop fort pour dire ça. On a quand même que 1800 kV. Hein. J'ai l'habitude de rouler cet engin plutôt ouais, ça 16 avec du 2200 kV en 18. En 4S, c'est déjà super, même en 2000. Et en 6S, ça s'envole. C'est vrai qu'avec le moins de patates de ces moteurs-là, et le plus petit kV, on est plus souple sorti de virage. C'est un peu moins compliqué à doser. Et ensuite, quand tu appuies dessus dans les tours, vous verrez les lignes droites. Ça trace super au bien, ouais. Là aussi, pas de mystère. On a fait quoi, à peu près un quart d'heure, 17 minutes avec une 4S 5000 là-dedans.
Là aussi, un petit quart d'heure. Le deuxième pack, j'allume plus fort et on a coupé plus tôt. Mais je pense qu'on est arrivé plus en coupure thermique. Je n'ai pas bien regardé après. Il faisait vraiment plus chaud quand j'ai fait le deuxième run. Toujours pas de ventilo au-dessus et tout. Mais j'ai bien envie, franchement, d'y mettre le 4278 Obi-Wing parce que j'ai croisé deux pilotes qui avaient monté ce week-end et ils m'ont tous dit la même chose. C'est que la gestion de température du 4278 G2 est absolument terrible. Chauffe beaucoup moins que les moteurs qu'ils ont remplacés par ce G2, qui était à peu près équivalent soit sans capteur, soit d'autres marques. Mais avec la même puissance en gros, hein, donc un moteur de taille 74. Donc voilà, je suis assez tenté de le mettre là-dedans parce que là on a la place. Dans l'Hyperstar aussi il y a la place, hein, il mérite le Hyperstar quand même. Mais il va bien là, on va le laisser en 4, on va le laisser en 4. En 6, là avec le 1800 kV, c'était vraiment facilement gérable. C'est sûr que là-dedans, enfin, je veux dire, avec un moteur 2000-2206, c'est sûr que ça devient plus chaud à gérer. C'était vraiment agréable à piloter. Mais, ouais, faut qu'on teste avec le 4274, voire aussi cette histoire d'autonomie. Que ce soit en 4 ou en 6, voir un peu ce qui se passe. Suspension, génial, j'ai laissé full stock. Je vais remonter juste un peu le tarage. Quand ta batterie est en terre, tu m'en bats, tu vois, tu décroches quand même pas mal. Moi j'aime bien, hein. N'oubliez pas que moi j'aime bien relâcher mes vis de buter des triangles de suspension. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Anti-drop en anglais, c'est l'empêchement de chuter. Drop, c'est tombé. Donc, ta vis d'anti-drop, pour le terme technique professionnel, pas français, ça empêche le triangle de tomber. Ta voiture est donc plus basse au sol. Tu peux le prendre comme tu veux. Je le répète, ce sont des pures taquineries. On attend bien sûr les gens qui ont de l'expérience de circuit pour donner toutes les petites astuces. Et ce qu'il faut voir, c'est tout simplement la différence entre la garde au sol maxi du véhicule qui sera bridée par les vis de butée des triangles. Si tu empêches les triangles de descendre, tu vois, si je règle mes vis ici quand je vais lever, tu vois, eh ben, elle va lever. Et si je laisse au max, eh ben, je peux lever vachement haut avant que ça décolle. Garde au sol maxi, garde au sol statique, c'est tu laisses tomber le véhicule, tu laisses rebondir. Ça, c'est la garde au sol statique. Ça, tu règles pas avec tes vis de butée. C'est pas ça que tu règles. C'est là qu'intervient la précharge des ressorts. Mais je répète, attention, ça change aussi le comportement du véhicule. Contrairement à modifier le point d'ancrage qui te change ta hauteur de caisse, ta garde au sol maxi, si tu ne te sers pas des butées, parce que si tu fixes plus bas, tu seras plus haut en garde au sol max. Mais c'est là qu'interviennent les vis de butée, justement. Et aussi, la garde au sol dynamique. Quand tu vas rouler, tu seras en pression à l'arrière, au freinage, tu seras en pression à l'avant. Ce ne sera pas la même. Et là, je viens de voir quelque chose et je me demande si c'est pas lui qui a foutu la merde sur le deuxième run. Le petit caillou qui allait bloquer le ventilo, puisque cela ne s'enclenche qu'à 80 degrés, les petits ventilos. Il manque une pale effectivement sur mon ventilo. J'ai un caillou qui est passé là sur le côté. Et je pense donc avoir trouvé le fautif. Parce que si le ventilo était bloqué, arrivé à 80 degrés, le ventilo s'est pas enclenché. Et le variateur s'est mis en sécurité, tout simplement, avant d'avoir beaucoup trop chaud. À refaire donc. Niveau du pignon, je pense sérieusement aussi donc passer sur du 18. Parce que c'est ce que je roulais justement en 2000 ou 2200 avec un pignon de 18. Moi je trouvais ça chouette, enfin 2000 avec le pignon de 16, avec l'autre VS2 qu'on avait. En buggy ça allait, avec les roues Corali Chronos, avec les roues du Corali Skater, ça allait super. Parce que le diamètre plus grand fait gagner un petit peu de vitesse de pointe. Donc là vraiment avec le 1800 kV en pignon de 16, on est définitivement en 4S, manque quelque chose. Donc, à voir, si je ne vais pas grimper à 18 avant
de mettre un autre combo là-dedans. On va peut-être mettre juste tout simplement 18, hein, celui-là, pour voir ça. Donc, pas grand-chose à faire. Hein. J'ai les bons pneus. Le combo, on va grimper dedans sur le pignon. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu as un pignon trop petit, tu vas avoir un autre problème, c'est que ton moteur est tout le temps en haut dans les tours, il est dans les tours max, en train de mouliner dans le vide, il chauffe et il consomme aussi. Hein. Il y a un petit bout de trop sur ma carreau, qui fait que le triangle se prend dedans, et ça endommage le coin. J'aime vraiment le look de cette carreau du VS2. Je parle pas de la peinture, hein, je parle de la forme. La peinture, de toute façon, c'est ce que je voulais. Normal, j'en suis content. Hop. Voilà. Donc, on va ranger ces deux. J'aurais peut-être dû prendre des notes, hein, parce que là, il va falloir que je regarde ma propre vidéo pour me souvenir de ce que je voulais modifier. Ah, j'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Toi, tu vas te mettre là. Donc, soyez patients pour la suite des runs. Il faut que je retourne au Val d'Argent avec les autres pneus, les autres réglages pour la cause, qu'on voit un petit peu ensemble les différences. Et c'est clair, c'est pas parce que c'est au bas haut. Si vous cherchez un buggy, vous faire plaisir à un tarif correct, pour moi ça reste le VS2. Avant d'attaquer les véhicules de gamme vraiment en compétition, dont les châssis sont hors de prix, les pièces aussi, bons avantages au bas haut, le prix des pièces toujours, c'est ça qu'on les adore, et la dispo des pièces. Le Forza Flux. Alors, on n'a toujours pas changé les huiles, c'était sympa dans les bosses, vous allez voir par rapport par exemple au Buggy ou au ST Pro qui était réglé un peu plus ferme, plus à l'aise dans les parties défoncées, mais on n'a pas assez de grip à l'arrière. L'engin glisse énormément de l'arrière, malgré les pneus à crampons. À la terre, ça serait allé mieux, sur le sable, après, une fois que ça avait séché, c'était dur. Donc là, avec ces pneus, on glissait beaucoup de l'arrière, la réaccélération sortie de virage. Il faudra donc ajuster l'huile de suspect avec ce tarage de ressort, tu vois, c'est trop réactif. Donc on va faire ça. Et effectivement, la petite barre ici en acier qui passe dedans a fait son travail. Et l'engin n'a pas subi d'autres déformations. Tu vois, regarde le flex du châssis. Je t'ai dit, hein, c'est pas fixé, ça se balade. Regarde. C'est délirant. C'est délirant, mais il a pris un paquet de gamelles et ça lui a pas fait de mal. Alors c'est sûr, si tu fais une barre ici fixe, il n'y aura plus rien du tout de tout ça. Mais là, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Autre chose qu'on peut constater, on n'avait pas jeté un coup d'œil à plus détaillé dessus, c'est qu'effectivement, on avait dit que ça, c'est le renfort du buggy. Mais regarde l'arrière. Il pose pas. Il est dans le vide, pile dans le creux ici. Il pose un tout petit peu sur le côté, c'est la nerf centrale. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont ajouré ici alors que c'est le point faible du flex. C'est vraiment bizarre. Bon, ce qui est cool, c'est qu'une barre comme ça, ça coûte rien. 5 € dans un magasin de bricolage pour une barre. Deux vis, deux trous, deux vis, deux écrous, et c'est parti. Hein. Je vais donc régler ce problème de graissement, changer les huiles de suspension, les huiles de diff, tu vois, ça va, on est vraiment détendu. Pourtant, on poussait quand même encore pas mal de l'arrière, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'avant. Quoique l'avant, j'avais bien durci quand même déjà. Est-il possible que je sois trop dur au centre? Un peu comme un slash 4x4 qui n'a pas de diff.
c'est pareil. Enfin, tous les petits engins comme ça, les SC qui n'ont pas de diff centrale, ou enfin, n'importe quel engin qui n'a pas de diff centrale, il va pousser beaucoup plus de l'arrière. Je vais donc assouplir, vous avez bien entendu, assouplir. Manu va assouplir un diff. On va assouplir le diff central. Avant d'y retourner, on a une pierre qui a réussi clairement à rester en équilibre sur la noix et dans le coin là. Alors ça, ça c'est balèze. Fallait me dire comment que celle-là, elle a réussi à rester là. On a le pignon d'attaque aussi. C'est funky. On va voir si le roulement est bien bloqué dedans. Est-ce que le roulement est sorti ici? Non, le roulement. Si, si, Eh ouais, regarde, t'as vu? En fait, on a ici le BTR qui s'est soit desserré, ou alors c'était d'origine un truc un peu zarbi comme ça. Ça me paraît louche. C'est desserré. Encore un peu. Alors faites gaffe, ne bloquez pas la noix sur le pignon d'attaque complètement ensemble et crabouillé, parce que vous allez aussi freiner les roulements au passage. Hein. Là on est mieux. Et puis Mani, il n'arrête pas de se mettre ses fesses devant la caméra. Donc on a de la loctite ici, vous avez vu, ça n'a pas suffi, ça s'est desserré, 3-4 runs. J'ai fait 2 runs en 6S, mais j'ai bridé. J'ai bridé parce que en 6S, avec le pignon de 15 dessus, laisse tomber. C'est absolument ingérable, le machin décolle du nez dans tous les sens. Sortie de virage, tu peux pas doser la patate. Waouh, le noir avant aussi, regarde ça. Donc à checker, sorti de la boîte, noix centrale d'entrée, un diff avant arrière. La direction, j'ai toujours pas changé le cerveau. On a essayé le 40 VP. Là sur le circuit, vraiment, on sentait que ça ne tournait pas. J'ai durci le sauve-cerveau, il n'a pas lâché le cerveau, mais on avait une espèce de mollesse en virage, surtout sortie du virage, avec lui le plus dur à l'avant. Quand tu remets tes gaz, il avait vraiment tendance à tirer tout droit. Donc nous allons changer ce cerveau, parce que ça ne va pas. On va changer de cerveau, on va adoucir le diff central, on va changer les huiles de suspect. Et le reste, on va pour l'instant laisser comme ça. Alors, au val d'argent, on pourrait même se permettre, je pense, de coucher plus ses amorteaux, de descendre un peu sa garde au sol. Ça suffira large. En dessous, regarde ça, 2 runs sur circuit, le truc il est poncé. Là même, sur le châssis au bas haut. Ça c'est du 70-75 T6, ça c'est que du 60-61-6, mais il y a un surfaçage dessus. Il y a un traitement dur, regarde. La cale de train n'a pas ce traitement dur, regarde, elle est rabotée, et vraiment le cul du châssis, mais le châssis lui-même, non. Alors que lui, il a une garde au sol bien plus basse que le Troggy. Et lui, dans les mêmes conditions. Et ben, Vlati qui est raboté le truc. C'est assez délirant. Donc, pour ce que ça coûte sorti de la boîte, ça fait un peu mal là quand même. Ça fait un peu mal. Alors à l'arrière, est-ce que je vais descendre au niveau des portes fusées? Non, je vais les laisser en haut. Quand j'ai fini cette vidéo, je vais vous noter tout ça. Parce qu'il faut que, vous devez vous rendre compte là. Vous allez vous retrouver avec 36 000 vidéos du retour du Val d'Argent. Parce que, entre temps, pendant que je vous parle là,
Moi, dans les faits, je suis en congé. Il n'y a personne, je ne suis pas là. On est la nuit de dimanche à lundi. Non, là, c'est... Non, là, on est... Non, ça, c'était hier. Moni, il est perdu. Il n'est pas encore réveillé. Donc, je vous ai fait une vidéo, une grosse partie des vidéos tout de suite en rentrant. Ah oui, exact. Dimanche soir. Dimanche soir. Là, on est lundi matin très tôt. Et... Alors, le chouchou de la bande. Alors, en buggy, j'ai préféré le VS2 au Hyper Star à cause des pneus et de l'équilibre en vol. Les pneus, c'est un paramètre qu'on peut modifier. L'équilibre en vol aussi. Hein, parce que je pourrais avancer ou reculer la batterie dans le Star. Ce que je peux pas là, sauf si je mets une shorty. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est justement rouler avec une batterie plus légère, mettre une 4S 5000 bashing pour l'équilibre. Alléger le côté gauche parce qu'on a tendance à vriller. Alors lui, avec lui, je me suis régalé. Les pneus ont fait merveille sur la terre, encore un peu humide, comme vous pouvez constater. Ensuite, ça a séché pendant le run, ça continue à se comporter super bien. J'ai donc des huiles plus dures dedans, tu vois. Et vous allez voir sur le circuit que ça n'empêche en rien la maniabilité de l'engin. Tu rentres en virage, tu lâches tout, tu tournes, il tourne. Sur les rails, les quatre roues en ligne, tu remets de gaz. Si tu veux glisser, tu mets un petit peu trop, ça glisse du tulle, sinon ça va super. Il a roulé donc dans les mêmes conditions que le HPI Forza Flux. Il faut savoir qu'un ST Pro comme ça, le châssis dans les 320 euros chez Projo Hightech. Le kit conversion font compter une cinquantaine d'euros, allez on va dire 400. Tu mets ton électronique pour 200. Si tu fais une peinture simple, donc aux alentours de 600 balles, tu peux t'en tirer 600-650. Même avec la peinture LB, les 650 au total. Contre un engin 200 euros plus cher. Là-bas, on a des meilleures pneumatiques sorties de la boîte. Bon, c'est pas du tout de surface, ça, c'est vraiment juste pour sur le circuit. On a un châssis qui est beaucoup plus rigide. Les triangles, là, c'est du haut de bodies, mon avis, sont plus solides que ceux du ST Pro. Mais ceux-là ont encore un peu plus de flex qui leur permet de bien survivre tant que tu restes léger. 4,5 kg, 4,7 kg avec la batterie, 4,5 kg, 4,7 kg avec la batterie. On est à peu près pareil. Le Forza Flux sortit la boîte en 2x2S Gensace 5200. Ça fait à peu près 25 minutes. Là, j'ai mis tout de suite une 6S parce que j'avais roulé avec une 4S la première fois là-bas, mais avec l'autre moteur. Là, j'ai le moteur du Sledge. Mais avec un tout petit pignon de 13-14, j'ai mis 6S dedans. J'ai mon petit Max 8. Mamma mia que Mani est content. C'est génial. 200 balles quand même, 9 de moins que ça. Pour le même poids, même performance, look différent. Si tu veux rouler sur circuit, tu peux toujours avec celui-là par rapport au truggy moderne. Mais alors, en compétition, tu ne pourras évidemment plus utiliser ces pneus parce qu'ils sont limités en dimension. Tu seras, les pneus d'origine là-bas non plus iront pas, tu seras obligé de prendre des pneus typiques truggy. Donc ce que je vais peut-être faire encore, c'est prendre une paire de truggy pirates avec un demi-offset de chez Louise, parce que je veux le demi-offset pour la largeur, sinon ça va faire bizarre. Pas les pirates, ceux avec les petits crampons, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est, les pirates c'est ceux-là. Ou monter les élargisseurs là-dessus et mettre... Donc ceux-là, pour voir si on a autant glisse que sur Forza, sur celui-là, parce que là, il avait clairement l'avantage sur Forza par rapport aux pneumatiques. Suspension, je suis très très souple, tu vois. J'adore ça. Évidemment, sur les atterrissages de saut, sur un circuit, ça va bien parce que tu es appel contre appel. Donc tu redescends, c'est pas un souci. Là, on saute à plat, donc c'est quand même violent, mais l'excellente qualité du châssis fait la différence.
C'est sûr que c'est toujours dommage qu'on a tout ce truc-là pour le thermique. J'aimerais un châssis spécifique aux brushless. Hein? Mais voilà. En tout cas, je me suis régalé. Et celui-là, vous allez le voir tourner, je pense, plus d'une fois au Val d'Argent. Je me suis mis deux connecteurs parce que j'ai des lipo 6S, j'ai des 4S, j'ai des 2x2, des 2x3 pour rester polyvalent. Erreur que j'ai faite de fixer ça là, puisque le poids du câble arrive à débrancher ça. Donc faites gaffe. Moi je l'ai mis du coup avec les velcro sur le deuxième run, parce qu'ils sont largement assez longs. Et du coup tout s'est super bien passé. Au niveau des huiles de diff, 60 à l'avant, 150 au centre et 10 derrière. Huile de suspette, 300 CST avec les pistons 3 trous. C'est un poil trop souple à l'arrière, mais sur un circuit tout terrain comme le Val d'Argent, il y a pas mal de petites bosses, ça permet d'aller vraiment super bien. L'huile de diff centrale, on pourrait aussi un petit peu l'assouplir. Vous allez voir sur les vidéos, il y a 2-3 fois, j'ai mis vraiment plein gaz. Et vous allez voir que l'engin monte direct. De l'huile un peu plus souple, on aurait plus de puissance qui pourrait foutre le camp vers l'avant. Un peu comme ce qu'on fait en GT, quand tu glisses trop du cul sorti du virage, tu as trop le cul qui glisse, tu peux te permettre d'assouplir un peu le diff central pour permettre à l'avant de patiner un peu et d'absorber le trop de puissance que tu as mis sorti du virage. Mais moi ça me va bien comme ça. Il est juste bien joueur comme j'ai envie. Et rien de plus à rajouter. Surtout pour la qualité du châssis et tout système de renfort. Hein. Ce Truggy a plus d'une vingtaine d'années maintenant de conception. Et on ne sait pas pourquoi. Le fabricant actuel cherche de midi à 14h de faire autre chose. On n'arrive pas à faire mieux. Ou souvent même pas aussi bien. C'est dommage. En parlant de Truggy, MHD a rebadgé récemment encore une fois FS Racing. On a donc Truggy. Qui est chouette, hein. Le Truggy a une carreau un peu style Team Magic E6 comme ça. Il a les pneus qui rappellent un peu les Arma V1. Il y a un Monster qui est le Truggy, ni plus ni moins. C'est le même engin avec pare-choc devant derrière en plus et une carreau style pick-up. Ça s'arrête là, tout comme par exemple chez Apsima. Tu as le Torch et tu as le Assassin, c'est les deux mêmes chiottes. Chez MHD, ils ont annoncé un prix de vente de 650€. Les versions FS Racing sont censées s'annoncer dans les 370-450€. C'est ce qu'auraient voulu faire des boutiques comme Action Modélisme. MHD a pris l'exclusivité pour la France, donc poum, c'est 650 parce que ouais, allez, c'est la taille des Arma. Ils ont fait anodiser les tourelles rouges, la barre de renfort rouge, donc boum, allez, c'est 650 balles. Heureusement pour nous, Conrad a acheté une fois de plus le pavé dans la mare, puisque FS Racing, c'est rien d'autre que ceci. Ceci est le FS Racing Atom. Chez FTX, ça s'appelle le DR8, dispo aussi chez Projo Hightech à 390€. Le Rally Conrad à 370 en moyenne, ça dépend. Il y a des fois des montées de prix, des fois il y a des super promos. Certains ont eu la chance de pouvoir le choper dans les 320€ ce machin-là. Et donc, Conrad fait le Monster aussi. Le Truggy va certainement arriver aussi, sauf si vraiment il y a encore une espèce de truc d'exclusivité, ils n'ont pas le droit de le vendre. Donc le Monster, ils l'ont. À 370 ou 380€. 650, 370. Le même véhicule à l'identique, sauf la couleur.
cherchez pas, il n'y a pas de modif. FS ne fait pas des modifs à l'unité. Ils font une série de véhicules, ensuite les rebadgers, ils achètent des lots. Je pense que Conrad, évidemment, a l'avantage. Pas une histoire de taxes et de trucs machin, puisqu'ils vendent aussi en France, donc ils ont le même problème de taxes en France. 370 euros, c'est le prix en France de ce buggy Conrad Rilly FS FTX, donc MHD scientifique. MHD, c'est scientifique France. Ce sont les mêmes véhicules, comme dit, et par contre, oui, c'est la quantité d'achat. Parce que je vous invite à aller voir sur le site Conrad. Regardez le nombre d'exemplaires en stock. Je pense qu'ils ont acheté plus d'exemplaires à eux seuls, en stock, dispo, que ce qu'a prévu Scientifique France pour tout l'Hexagone. Et oui, et ça change énormément la donne. Je peux vous le dire parce qu'en tant que SAV automobile, j'ai vu ça entre les petits garages et les grandes chaînes automobiles. J'ai travaillé un moment pour une grande chaîne automobile. Il y avait un directeur d'achat. Et la différence est énorme. Quand tu arrives en tant que petit garagiste, tu fais des fois une petite promo pour l'été ou avant les vacances, contrôle frein, des trucs comme ça. Tu vends des freins, tu fais 10% aux clients. Les fournisseurs aussi font un petit geste de leur sens pour te pousser un petit peu à vendre du truc. Mais ça reste des marges très minimes. Par contre, la chaîne de garage, quand elle fait une appel d'offres, elle va, par exemple, chez Brembo, il dit, voilà, je veux 100 000 disques. C'est pas une connerie. 100 000 disques de frein, toute taille, tout type, et je veux un prix moyen du disque de frein. Et je t'assure, quand tu entends les prix, tu restes comme ça. Hein? Pardon? Quoi? Simple petit exemple. Je travaille dans un petit garage Renault. Mon père a venu changer les roues d'air, on lui a proposé 4 pneus Michelin, c'est moi qui faisais le montage, l'équilibrage après les heures. Il est allé chez un grand fournisseur automobile allemand, il est revenu avec le devis, il a dit, regarde, ils sont 17 euros plus chers. Alors je lui ai dit, mais montage équilibrage, il a dit, oui, avec le montage équilibrage. Donc ils étaient 17 euros plus chers à peine avec le montage équilibrage que ce que moi je pouvais vendre à mon propre père, les mêmes roues Michelin. Alors que moi, en tant que garage Renault, j'avais le prix net Michelin. Le patron m'avait laissé faire le prix net à mon père. Et là, il me dit, mais c'est pas tout. Regarde bien le devis. Il y avait les 4 jantes alu fournies avec. Donc, 4 roues complètes montées sur jantes alu. Des jantes alu pas de gamme, mais pour l'hiver, tu t'en fous. Montées équilibrées. 17 euros plus cher que ce que moi, je pouvais avoir 4 pneus à poil. Donc, dardard, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Michelin. Enfin, le représentant de chez Michelin. Et je lui dis, c'est quoi cette histoire? Il dit, oui, mais bon, vous avez commandé 2000 pneus. Eux, ils m'en ont commandé 200 000. T'as aucune chance face à ça. C'est clair. Mais bon, tout ça, bien sûr, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, n'oubliez pas que cet engin est à gagner. Nous allons bientôt faire le jeu, normalement, quand je reviens de congé, si j'ai le temps et l'envie. Ça se trouve, je vais l'oublier dans un coin, j'ai encore me faire engueuler. Salut tout le monde, et encore mille merci à tous les membres du Val d'Argent qui étaient là-bas volontairement toute la journée, qui ont passé des semaines à préparer le truc, à rassembler tout le matériel, la mise en place. Merci à la mairie de Lièpre. Oui, parce que moi je dis Lièpre parce qu'il y a un P dans le V, devant le V. Si tu voulais pas qu'on dise Lièpre, mais tu veux dire Lièvre, fallait l'écrire sans le P, il fallait mettre un lapin dans le logo du village. Donc merci à la mairie de Lièpre qui a participé, puisque c'est grâce à eux que le terrain est disponible. Ils sont même venus livrer des barrières. L'électricité, c'est grâce à la mairie, grâce au stade de foot de Lièpre aussi. Merci à donc, forcément l'équipe de foot et les gérants du stade de foot, parce qu'ils ont pu dire « Non, on peut pas, ça ne passe pas, on fait du bruit à côté hein !» On en connaît plein, des comme ça. Mais ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous joué le jeu. Merci aux voisins aussi qui ont pris le risque de. Parce qu'ils auraient pu dire non aussi. Et ils se sont dit, allez hop, il faut bien qu'ils s'amusent, les jeunes aussi. Et ils ont découvert avec grand plaisir que les voitures électriques, même on était à 25-30 sur le circuit, il y a toujours un léger courant d'air dans la vallée. Ça fout quand il y a le petit fleuve à côté, t'entends le petit ruisseau. Résultat, quand ils ont demandé aux voisins, ça vous a dérangé, il y a eu du bruit autre que les. Parce que. De notre part, personne n'a fait de gros éclats de voix, c'était resté tranquille, parce que justement il y a des voisins,
Tout le monde y a mis du sien, donc merci à tous les visiteurs d'être restés tout cool, les zen aussi. Ça s'est vraiment super bien passé. Donc les voisins n'ont noté qu'un seul bruit, en fait, qui était pas perturbant, mais c'est en fait Dudu au micro. Le seul qu'on a entendu, c'est Dudu au micro. Tout le reste, c'était pas un problème. Mais il était obligé, parce que nous, sur le terrain, avec le vent, on n'entendait pas tout. On parlait entre nous. Et évidemment, donc le grand calife qui a régulièrement pris le micro pour rappeler aux gens de faire attention aux petits, de ne pas traverser n'importe comment, ce qui a permis que tout se passe bien. Parce qu'il y a un truc à ne pas négliger quand tu fais des rassos comme ça, c'est un peu l'effet de meute. C'est tout couillon, mais c'est comme ça. Tout le monde est là, il y a de l'engouement, tout le monde s'amuse, et tu as vite fait de t'oublier, de faire gaffe, de traverser n'importe comment, de ne pas prévenir que tu traverses, de ne pas voir arriver un véhicule. Moi je sais maintenant, parce que ça fait 7 ou 8 ans que je filme pour la chaîne, vous avez vu, on s'est mis aussi des fois dans des situations bizarres pour faire des images rigolotes. Comme dit nous, voilà, nous on se dégomme, c'est pas grave. Mais pas tout le monde est habitué, tout le monde n'encaisse pas pareil. Il faut faire gaffe à tout le monde. Et qui ai-je encore oublié dans ces remerciements? Les sponsors du club. Hein, merci à vous. On a réussi à le mettre en caméra. Il voulait pas, hein, tu tournais vite fait. Mais on t'a gagné. Merci à toi. Franchement, c'est super génial. Les gens qui sponsorisent le club. Donc je vous informe que le conteneur a été commandé pour le club. Donc, il va y avoir un conteneur sur place avec électricité et tout ce qu'il faut pour que sur les prochaines sessions tout soit plus simple. Il y aura déjà du matériel sur place, du courant et tout ce qu'il faut. Et quand tu passes la journée là-bas, pour ne pas être juste dans un champ. C'est quand même sympa, même si moi juste dans un champ ça me va très bien. J'ai pas besoin d'infrastructure, je suis très bien comme ça. Mais il en faut pour tous. Tout à fait normal. Merci aussi à ceux et celles qui ont fait le geste d'envoyer les 10 euros pour l'inscription pour rouler, mais qui ont dit « je serai pour l'an », comme bien sûr Tonton Pipil et d'autres, qui ont tout simplement réglé les 10 euros pour venir rouler, mais qui n'étaient pas présents, qui n'avaient même pas l'intention de venir parce que c'est trop lent, ils n'avaient pas le temps ou machin. Ils ont quand même balancé les 10 balles pour aider à faire ce rassemblement et de financer une partie de ce conteneur. Tout le monde a demandé à ce qu'on en fasse encore et plus qu'une fois par an pour que bien sûr il y ait des dates où tout le monde puisse arriver. On ne sait pas encore comment ça se passait. C'est bien sûr au club de décider de ça parce que c'est du gros boulot pour eux. Moi aussi j'ai envie de refaire. Ce qu'on fera par contre la prochaine fois, alors on peut faire peut-être on verra ça, des séances privées ou en nombre limité, hein, on dirait une quinzaine, une vingtaine de pilotes, pour que ce soit plus simple à gérer, qui viendront chacun tout simplement avec leur sandwich et leur sac de couchage, ça ira très bien aussi. Ouais, vous en faites pas, hein, y a le camping à côté, il y a les chambres d'hôtes, il y a tout ce qu'il faut pour être dormir au chaud si besoin. Mais la prochaine fois, ce qu'on va faire, si on refait un rassaut comme ça, je vous le promets, je n'emmènerai pas de voiture moi pour vous. J'emmènerai l'atelier, et je serai sur le terrain avec vous tous pour aider à retourner les véhicules, à réparer les véhicules et faire attention donc à la discipline, que tout se passe bien, que personne ne s'emporte. On modifiera donc ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on mettra du dégagement derrière les rampes pour que personne ne reste de côté derrière les rampes, puisque même ça part vite en diagonale. Il suffit d'une touchette, quelque chose qui fait glisser le véhicule en travers pour aller sur les rampes. Donc on fera attention à ça. Très important pour moi, quelqu'un, sans le faire exprès, a embarqué la radio de SkyRC. SkyRC cherche sa radio Traxxas TQI. Il avait posé avec son véhicule, il a récupéré son véhicule, et la radio n'était plus là. Il est fâché avec personne, il sait très bien qu'il y avait plein de radios Traxxas qui traînaient à droite à gauche. Donc il y en a un d'entre vous qui a une radio Traxxas de trop dans ses affaires de terrain. Donc celui qui en a une, s'il vous plaît, celui qui en a de trop, vous me passez vite un mail ou vous allez sur la chaîne SkyRC, S-K-Y-S-E-R-C. Il fait des shorties.
sera facile à reconnaître. Il envoie le sledge dans tous les sens, à des altitudes phénoménales. Il adore ça. Il a équipé son sledge en conséquence, bien sûr, avec le châssis M2C. Il a aussi le support moteur EDIF en une pièce M2C, donc pour éviter tout stress sur le châssis. GPM le fait aussi. Dès que RC by J aura fini mon sledge carbone vert, je pourrai envoyer le châssis, le diff central et la partie à RC Usinage 34 pour nous faire le petit support. Parce que c'est une solution pas chère pour éviter de stresser le châssis du sledge, pour éviter cette bosse, ce mouvement entre couronne et pignon qui est destructeur pour couronne et pignon. Même moteur, parce que quand le jeu se resserre, c'est l'axe moteur qu'on prend plein la carouette et c'est pas cool. Donc je préfère que ce soit monté en un seul. Moi je vais très certainement une fois commander le support GPM pour le tester. Et puis voilà. Merci à tous ceux que j'ai oubliés. Je n'ai pas cité parce que j'y ai pas pensé tout simplement. Mais je crois que j'ai fait le tour. C'était super. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de disciplines. Autant de gens qui aient la même mentalité, justement, de venir juste piloter et d'être heureux de piloter un 1.14 à côté d'un 1.10 à côté d'un 1.5, que les gens ne sont pas fait, pas taper la bourre à se rentrer dedans, à s'écrabouiller, mais que dès qu'il y avait des ralentissements, j'en faisais un peu gaffe, il y a toujours des trucs, évidemment. Ça m'est arrivé même à moi, j'ai dégommé un T-Magic 16. J'ai sauté le pont, je tourne la tête, le 16 est posé là à l'envers. Je suis les roues décollées du sol, je ne peux plus rien faire, j'ai heurté le 16, on n'a rien cassé. C'est ce qui est génial, quand même. Parce que, forcément, quand on sait qu'on roule à plusieurs, on roulait pas comme des... on n'était pas en train de bombarder sur le circuit. Vous verrez, on se fera des sessions 2, 3 ou 4 uniquement, où on va bombarder tout ce qui est possible et imaginable. Bien sûr, avec Satanas et Diabolo. Ça va être bon. On amènera bien sûr aussi Obi et son rire légendaire. Et le nain d'atelier. Parce qu'à nous quatre là, je pense que si on va commencer à bombarder, ça va être un peu funky. Puisque même si on bombarde, on reste dans l'esprit. Tu vois, t'es trop près. Un petit coup de direction. Et on verra bien où tu finis. Salut les gars. Bonne fin de journée. Enfin, bon début de journée. Ça sortira normalement le matin, ça. Hein. C'est jamais sûr avec le blond en fait. Si t'as pas joué pour ça, t'as raté une occasion. Mais t'inquiète, il y en aura d'autres.